Top gens d'internet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Zinla. Comment vas-tu Zinla? Ok, nique ta mère. De Goreg. De Goreg et de Malfox, comment allez-vous? Mes amis de l'internet et aussi j'oublie mon partenaire des bases tours, comment allez-vous gens de l'internet? Personne. Ouais, trop bien. Ok, ouais, super bon. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans la base de mon ami SAQ. Donc, comme vous voyez, SAQHQ, je pense qu'il est même pas connecté. Ouais, il est pas connecté. Il a laissé un commentaire sur ma dernière vidéo. J'avoue. Il a laissé un commentaire sur ma dernière vidéo en temps de ma dernière vidéo de base tour avec son pseudo, le nom de sa team, donc la primaire, et aussi le nom de son home qu'il voulait que je présente. Et or, il voulait que je présente son home qui s'appelait Perso. Donc, si vous voulez que votre base soit présentée dans cette série-là, vous avez juste à laisser dans vos commentaires, dans le fond, votre pseudo, le nom de votre faction, et aussi votre pseudo et le nom de votre home que vous voulez qu'on visite. Donc, aujourd'hui, on va visiter trois homes. Commençons par ce premier, celui-ci. Goreg est en train de farmer ses squelettons, malheureusement. Combien de spawners qu'il y a? Il y a juste un spawner de squeletton, comme on peut témoigner. Mais il y a quand même... ouais, ça doit juste être son petit temps de farm solo. Donc, j'aime bien la déco. Mais je sais pas pourquoi, mais dernièrement, tout le monde utilise la brique. Genre, j'ai vu beaucoup de bases avec la brique quand je me TP avec le TP aléatoire. Ouais, c'est sympa avec du bois. C'est stylé, je trouve, quand même. Mais ça fait un style assez bizarre, vu que c'est quand même assez coupé bizarrement. Mais bon... Ici, il y a genre l'air d'avoir des coffres à potions avec rempli de marde en ce moment. Ici, sur le côté, des champs de canne à sucre. Ouais, c'est juste des champs de canne à sucre, qui n'y a rien d'autre intéressant à voir. On peut monter ici, les amis, avec une petite échelle. Qu'est-ce qu'il a fait? Des champs de canne à sucre. Il a fait quoi ici? D'autres champs de canne à sucre. Stylé. Oh, des champs de patates puis de carottes ici. Puis là, il est genre dans une grotte, fait que c'est genre bien aménagé. Vraiment fait énormément de champs de canne à sucre, en fait, il voulait pas manquer de canne à sucre comme on pourrait croire. Donc ouais, vraiment stylé les champs de canne à sucre, comment sont organisés dans une grotte et tout, moi je trouve ça assez stylé. Salle potion, farm reste. Donc en gros ça doit être sa farm à potion et à tout ça. Ensuite, y a-t-il du bon stuff le gars, au moins qu'on pourrait lui voler? Sinon c'est pas intéressant quand même. Hein. Y a pas l'air d'avoir de bon stuff. Ensuite, y a quoi ici? Ouh, y a l'air d'avoir des spawners de golem. Ou des anciens spawners à golem. Parce que regarde. Non, il y a des golems, genre l'éternel. Il a même mis la tête de Malfox à terre. C'est toi qui l'as mis, Malfox, ou c'est lui? C'est lui. Ah, oh, ben Malfox, t'es un grand fan. Gros, ouais, je vois pas le spawner à golem. Ah, oh, oui, le spawner à golem, il est là. Ok, attendez, on va checker l'autre côté. Il y a juste un spawner à golem. En plus, hier, les gens ils ont dit que j'étais trop beau. Waouh, Malfox, t'as payé combien pour qu'ils disent ça? J'ai même pas payé, c'est pas vrai. Plus j'ai un screen. Hein. Ouais, on ouais. Payé, moi. Je sais pas si je te crois, Malfox. Ok, je vais envoyer un screen. Je pense qu'il a fait mal son affaire à truc, mais bon, c'est pas grave. C'est quand même stylé la façon dont il a fait la répartition des coffres. Genre, de chaque côté, je trouve ça stylé quand même. En genre de. Pas X, comment on appelle ça cette forme-là, gros? En escalier. Donc voilà. Donc chacun d'entre nous maintenant va donner une note sur 10 à sa base. Parce que voilà, on est comme ça ici dans le milieu. On juge vos bases. Donc Goreg, t'es le premier. Sur 10. 7. 7, ok. Malfox. Ouais. Oui, alors moi je trouve que la base est très très serrée. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Je suis totalement d'accord avec toi. La décoration n'est pas très très belle. Hein. Pas très variée niveau bloc. Puis voilà, donc moi je mettrai un 4 sur 10. Oh. Je suis totalement d'accord avec toutes les affaires que tu as dit. Pour la paix, moi je vais mettre un 5 sur 10. Et toi, Zina? Look at my dad. C'est comme je suis un peu dans le même avis que Malfox. C'est trop serré. Puis en fait, la déco est un peu vieille, ancienne. Ouais, je suis d'accord. Ouais, en fait, c'est répétitif. Ouais. Medieval, je suis totalement d'accord avec toi. J'oublie, y a-t-il un micro pour parler et lui donner sa note ou non? J'oublie, en fait, il a donné un sur un. Fait que voilà, j'oublie les caves comme ça. On trouve une autre base, les amis, puis on se retrouve avec l'équipe. A tout de suite. What's up, gens d'internet? Donc, on se reprend. Zina a trouvé une base, en fait. On n'a pas pris des commentaires parce qu'en fait, la plupart des commentaires que j'ai regardés, donc je vais vous montrer, en fait, j'ai regardé plein de bases, comme vous voyez. Et en fait, chaque base était presque pillée ou c'était pas top top. Donc, vraiment, si vous voulez vraiment qu'on vous présente votre truc, les amis, mettez vos informations dans les commentaires. Donc là, aujourd'hui, on va présenter la base de Sniper King. Il est dans quelle faction, lui?
tu peux-tu faire F-Show, j'ai pas envie de. Ou F-Map, juste qu'on puisse voir si c'est claim ou pas. En fait, c'est une base avec des spawners, j'imagine, parce que j'entends des mobs. Donc, il doit y avoir des spawners quelque part. L'extase. Oh. Ouais, là, ici, on peut voir des spawners de Underman et des spawners à Golem Blaze. On va tout vous présenter ça, vous allez voir. Donc, ici, on a la place pour les spawners à Underman. Donc, si je comprends bien, les Underman, ils spawnent, ils se mettent ici. Ils ça les pousse jusqu'en bas. Ici, ensuite, ils sont crush, j'imagine, avec des pistons, j'imagine. Pas trop comment leur système il marche. En fait, je pense que ça sert à rien leur système. Moi, j'aime vraiment bien la base. Moi aussi, j'adore ouais, celle-là. J'aime le style et tout. Ensuite, table d'enchant ici sur le côté. Ils ont des coffres avec des livres d'enchant. Ici, ils ont quoi? Ça me rappelle la maternelle. What? Attendez. Faut que je regarde ça encore. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai genre mal le regarder là. Genre, quand il n'y a plus d'enclume, ça l'ouvre en haut. Puis les enclumes ils tombent. Mais là, ils ont juste pas de réserve d'enclume. Wow, stylé! Stylé, stylé. Ensuite, il y a quoi la salle des coffres ici? Putain, ils ont pas d'enclume là, je comprends. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. C'est très sombre, hein, j'aime pas trop. J'avoue, c'est vraiment sombre. Mais moi, j'ai mon gamma crap. Ici, oh! Oh les gars, il y a des pacates à voler! Il y a des pacates à voler, les gars! Chacun un, allez! Bah oui, je vais give la revenge. C'est bon, je checkais s'il y avait pas un anti-cabé, bien sûr, il y en a pas. Non! Tu vas le tuer, Carly, j'ai déjà donné deux coups d'épée, tabarnak, tu es pas le pauvre abonné. Ensuite, ici, on a quoi? On a une genre de... What? Comme c'est ce que je vous disais dans la séquence d'avant, les gars, tout le monde utilise les estis de briques, je sais pas pourquoi, mais tout le monde les utilise. Oh, leur salle du Nether! Check comment c'est fucking chill! Là, ils peuvent pas, y aller, non, ils peuvent pas y aller, mais quand même, c'est quand même bien pensé, quoi. Ensuite, ils ont quoi? Salle des coffres. Ouais, c'est, j'avoue, les blazes, ça aurait été bon. Ensuite, oh, ça descend ici, les gars. Là, ils ont quoi? Spawner spider. Ouais, ils ont genre 3 spawners à spider. Les spiders, ils font qu'ils... Oh, ils ont fait un système pour les faire remonter, je pense. Parce que les spawners... Regarde, si j'utilise mon X-ray... Ils sont en bas. Ouais, ils sont en bas. Ils remontent vers ici, je crois. Je suis pas sûr, par exemple, mais bon. Peut-être qu'il faut aller en bas pour les farmer aussi. Hein. Ouais, il faut aller en bas. What the fuck. Je pensais qu'il avait fait un système pour les farmer d'en haut. Ça aurait été cool, par exemple. Non, je sais que tu peux le faire. Les faire tomber. Ou... Les faire les aggro, ouais, quelque chose du genre. Donc ouais, on est perdu ici les gars, faut remonter. En fait, y'a rien, c'était juste du spawner à araignée. Je pensais que c'était super high-tech, puis que ça les refaisait remonter. Comme les zombies, je sais pas si vous savez, mais avec les zombies, on peut les faire remonter. So, ensuite, ici, là, lui, il doit déjà être. What the fuck, qu'est-ce qui se passe? Ici, ils ont spawner à golem. Un spawner à golem. Oh, regardez, ils ont mis toutes nos têtes, là, les gars, checké. C'est qui la tête en bas dans le coin, là? Ouais. Je pense que c'est mon non. Non, non, non. Et quand cela, il récupère là, ça va te le dire. Ouais, et en plus, il y a. Bah oui, bravo, hein. C'est qui est attardé, cet enfant-là. Attends, il y en a une ici. Il y en a une ici. Une Nike. Ah non, c'est fake. Ah non, c'est pas. À l'étage tout en haut, il y en a une. Ah, ici, regardez, ici, ici. Ah ouais, c'est trop beau. Ah ouais, les Blaze. Oh shit, regarde, c'est une machine. Ça les étouffe, genre. Ouais, genre. Oh shit! Ils ont fait ça dans le team du Nether et tout, man. Ça, c'est vraiment beau, man. Noflex, c'est vraiment une des plus belles bosses qu'on a visitées, man. C'est dommage qu'on est arrivé par là. Lumière, hein. Ah non, on n'est pas arrivé par ici. Ceci, c'est le truc d'aller. On spawn, ouais. Puis là, regarde, on retourne ici, en fait. What? C'est trop stylé comme boss, Noflex. J'aime bien, en vrai, Noflex. J'aime bien. Noflex. Lui, on a tapé, lui. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme truc qu'on peut visiter? Je pense que c'est tout, on a fait le tour, hein. Attends. En haut ici, il y a quoi? Ouais, le truc de Blaze. Ils ont même des squelettons ici dans le coin. Check, ici dans le coin, ils ont même des squelettons. What? Ils sont pack ces gars-là, comme, sérieusement. Là, ici, ils vont sûrement continuer à construire en haut, man. Ils sont pack en tabarnak, comme on dit dans le milieu. Oh, ça continue à monter, en fait. Gurek puis moi, on a monté. Ici, il y a le spawner squelette. Puis ici, il y a les têtes de Strafing, Jubilee, Goreg, moi et Malfox au calme avec le spawner de Blaze. Et ici, ça va être une salle sûrement qu'ils vont faire dans le futur. On peut voir, ou peut-être il y avait déjà fait avant parce que ça a l'air qu'il y a... Ouais, c'est ce que je me disais, tasse-toi. Il a l'air d'avoir de l'eau ici comme un spawner, genre. Bizarre, attends, je vais aller voir au-dessus. C'est tout pété. Ouais, ça a l'air de... ça devait être une ancienne place à spawner, je pense. Mais ils ont dû voir que c'était trop loin de leur base, fait qu'ils ont dit, oh, on va la refaire. C'est pour ça qu'ils ont dû faire ça comme ça. Si on va faire ça, les amis. Donc, on va commencer par les votes sur 10. Donc, ben, Malfox, commence par toi. Bah, moi, j'aime...
bien, mais j'aime pas, donc je sais pas trop quoi dire. Hein, puisqu'il n'y a pas beaucoup de luminosité dans cette base. Hein. Donc en gros, tu trouves ça original, mais c'est pas ton style, c'est ça? Ah non, Les j'aime gars, pas en du fait, j'ai tout. pas remarqué, mais ça, c'est une tête d'Enderman. Oh! Ouais. Ah oui, alors je rajoute un point, je Donc, valide. Malfox, combien sur 10? Allez, 6 sur 10. Super, Gorek, combien sur 10? Moi, je donne un 8. Moi aussi, je Non. donne un 8, Gorek. Sais-tu Vous êtes un pourquoi? peu trop Parce que gentil, c'est là. grave original, j'ai jamais vraiment vu des affaires comme ça. C'est vraiment original, so, moi je mets un 8 sur Mais il 10. manque Et des torches. ouais, Moi bon bah. j'aurais donné plus s'il n'y avait pas mis que Ouais, Dustonbrick. même chose pour moi, s'il y avait eu d'autres décors que de la Stone Brick, malgré que c'est quand même stylé. Mais dans les autres salles, c'est juste cette salle-là en fond que la Stone Brick, parce que les autres salles, regarde, ils ont quand même bien aménagé le truc avec la truc rouge et tout, mauve. Et puis Mais voilà, je pense qu'ils vont changer. Zinla, ta note Non, sur non, il y a 10. trop. Moi, je trouve ça beaucoup trop sombre et il y a beaucoup trop de stone brick et. Bah, en fait, tu reviens à ton point initial dans tous les côtés, en fait. Ouais, je suis d'accord. Non, C'est 7 au toutes 7. toutes 7. les salles sont rejoignant en fait, c'est ça que tu veux dire, toi, c'est ça? Ouais. Ok. Donc, Bah, ta c'est note pas sur vraiment ça, 10? mais. On fait péter la base, du coup. Ouais, du Ouais. coup, ouais. Non, mais ta note sur 10, Zinla. Ah, 7. 7. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, voilà, les amis, on se retrouve pour la prochaine base, tout de suite après. À tout de suite. What's up Magnifique. les gars, on vient de se retrouver là en fait, on s'était random dépaire quelqu'un, puis on est tombé sur une estime de belle base. En fait, on l'a même pas regardé ou quoi, je vais juste vous montrer vite fait ce qu'on a vu. Donc techniquement, ce que je pense que c'est un genre de gap géant avec des marches et des escaliers partout dans la base. Celui-là, regardez, si on descend, Moi, je monte pense que c'est ici. un labyrinthe. Non, Ouais, c'est une faille. surtout. Oh, c'est une faille. C'est une Regarde, faille. c'est une genre de farm aménagée. Home Tous les BP de marches Léo moches. Banano et âme Dracoz. On peut voir ici sur le panneau. Wow, c'est tout bien fait. Regarde ici, ils ont mis des champs. Greg a tout pété les champs. Des champs de citrouille, blé, melon, comme on peut témoigner. Bibliothèque. Vraiment, la décoration est vraiment bien faite. Ici, on a quoi? Ensuite, un anti-FK. Donc, le gars, il est anti-FK en ce moment. Ensuite, on a quoi ici? Un pot de fleurs, pot de fleurs. C'est très intelligent. Des items de. Comme ça. Je pense que ça sent Ici, le d'autres cannabis. trucs. Le gros, je pense vraiment Ils qu'ils ont sont fait vraiment un que esti. chier en Ouais, ils fait. se sont fait chier de Hein. ouf, mec. Viens viens voir voir la le TPT cannabis. sur moi, mec. Attends, Il y a du j'arrive. truc ici. Un champ de C'est cannabis. un champ de cannabis, ouais, ça a l'air de ça en vrai. Rajoute du weed dans toutes les pots, ouais, voilà. La weed pas chère. Attends, c'est quoi ici? C'est une faille. En fait, ouais, ils ont Moi je aménagé une crois là. grotte, les gars. What? L'originalité, par exemple, NoFake, ça pète sa mère là-dessus. Donc ensuite, on peut descendre, on peut monter, ça c'est les escaliers principaux, j'ai l'impression. Que si on monte, on a quoi? On revient à l'échelle ici qu'on était en leurre. Ok, Ah oh, ils hop font là. même du champignon quoi, oh là là. Ils font de la C'est pas meth, très yo. honnête hein. Pas très charlie tout ça. Ensuite, ils ont quoi ici? Ça l'amène quoi? Vers une grotte, ça j'imagine. Ouais, ils ont pas fini d'aménager ce côté-là. Ouah, c'est vachement original, les gars. Ça va être une bonus, ça sera pas une full base truc, mais on va quand même Je me juger, suis mais. perdu. En vrai, ouais, c'est qu'ils trouvent. On peut pas tout vous présenter, c'est trop perdant, en gros, regarde. Genre, en gros, regardez les escaliers, tout ce qu'ils font, en fait. Genre, ça va un peu n'importe où. Mais c'est juste une petite base bonus, on va quand même vous en présenter une autre tout de suite après. Mais bon, Malfox, commençons par toi, ta note sur 10. Bah ouais. Voilà. Ouais, ça donne pas vraiment de notes, ça, mon beau. Moi je dirais 7 sur 10. Ok, Goreg. Moi j'en ai Parce que 6, le j'adore le monsieur, il est concept. AFK. J'adore le concept, mais c'est coincé. Ah, je suis C'est d'accord comme avec toi. Moi, t'as j'irais pas de avec place pour un faire un champ. 5, mais 6 comme toi parce qu'il y a un champ de weed, so, voilà. Et même des champignons Et à toi, côté, c'est Zinla, pas. combien? Sur Des 10. champignons. Je me dirige plutôt vers le 8, mais j'hésite Trop vers le serré, 7 genre. aussi parce que ouais, c'est beaucoup trop serré puis on s'y perd vraiment trop vite. Ouais, je suis totalement Faut d'accord vraiment avec toi. connaître la base. Bon, les gars, on se retrouve pour une autre base, une dernière, et puis on se Moi dit je vous à bientôt. comprends pas. What's up, gens de Je l'internet? On se vous reprend pour la dernière. Donc, aujourd'hui, on a fait 4 parce qu'on a fait celle du milieu qui était spéciale, celle de l'arbre dans la grotte, dans le fond. Donc, oui, juste avant qu'on commence de présenter cette base-là, le prochain épisode, ça va être un épisode spécial AP. Donc, la plus belle AP, on va faire un top 3 dans le fond dans le prochain épisode. On va être jugé sur. On va faire, en gros, ça va être à peu près les mêmes personnes qui est là dans le channel ou peu importe les gens qui vont être là. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que on va faire un compte sur 10, puis celui qui aura le plus de points après, comme un peu un souper presque parfait. Je sais pas si vous connaissez en France ou quoi que ce soit. Ils donnent des points, genre.
Puis c'est lui qui a le plus de points dans le fond. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Celui qui a le plus de points, c'est lui qui gagne. C'est ça qu'on va faire entre les trois AP qu'on va sélectionner. Et puis qu'est-ce qui va arriver, c'est que vous devez faire votre plus belle AP. Mais tenant compte que les AP sont pétables, donc je vous conseille de faire en obsidienne ou rajouter de l'eau ou implanter. Si votre AP est pété avant qu'on fasse la vidéo, c'est pas notre problème. Hein. Donc voilà, vraiment important. La faction qui va gagner ça, moi et Malfox, on va vous donner à 5 membres de votre faction 500 points boutique. Donc c'est 5 euros à 5 membres de votre faction. Que vous allez choisir vous-même. Le chef va choisir 5 personnes, 4 personnes plus lui dans le fond. Donc voilà, je pense à une bonne récompense. Qu'est-ce que t'en penses, Malfox? Ouais, très bonne récompense. Donc voilà, on va commencer avec cette dernière base, les amis. Donc, ben, on est avec encore pas mal le même crew. Moi, je suis dans une place où il y a genre une machine à blaze. Ils ont pas mal de spawners de blaze ici. C'est une genre de Oh, j'ai oublié, il nous a rejoint, les amis, pour la dernière base aujourd'hui. Vu que j'ai oublié ta AFK. Donc, si, ils ont une genre de piscine à AFK. Non, pas lui. C'est vraiment stylé. Ils ont mis toutes nos têtes ici, au calme. Ils ont pas mal de coffres. Malfox. Mais c'est bon, je veux me sentir aimé un peu. Ah oui, c'est comme ça le truc. Ok, leur machine est bêtée, mais bon, c'est pas grave. Ici, on s'en descend de quoi? Hop, on a un cube en... Oh, on a un spawner de... Hey, check! En gros, regardez, les gars, sur la truc, c'est des creepers. Fait que ça fait genre... Waouh, c'est pas si mal quand même, en vrai, hein. Parce que check, c'est des creepers. Ah ouais. Dans la toile, tu vois ce que je veux dire? Ils ont bien pensé quand même, hein, des petits génies, des petits génies. Ouais. Des petits génies, c'est des petits génies. Oh, je suis tombé à un autre étage avec des coffres protégés. Ouh, ils vont sûrement... Ok, les gros. Le gros, check les coffres. C'est des dubs de P4, les gros. Bah, genre, legit. C'est la fac de qui, ça? C'est une bonne fac. C'est qui, c'est quoi, ouais, la fac? Fais pas ça, chef map. Non, non, mais toi, fais-le. C'est la Hornet. La Hornet? Hornet? Hornet, ouais. Ah, ok, ouais, c'est genre une. Fait qu'ils étaient premiers, je crois, un boulot. Ouais, s'ils étaient premiers, c'est Bob, Real Monkey et tout. Oh, oh. T'as vu tous les P4 qui ont? Mec, ils ont des P3 sur le côté ici, mec. What the fuck? Hey, ils sont vraiment riches, ces gars, par exemple. Ils ont mis nos têtes ici, sauf la tête de Malfox. Ah non, ils ont mis la tête de Malfox, là. LOL, folks. LOL. Si on descend en bas, qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui l'as mis là. C'est toi qui l'as mis là, en plus, je suis sûr. Pas du tout. Regarde comment ils... Oh! What? C'est toi qui as mis ça, gros. Ici, il y a encore des coffres semi-sécurisés. J'oublie, lui, il s'en bat les couilles. Lui, il en met partout par terre. Nos respects. Donc ouais, les gars, on va terminer là-dessus. Donc on va commencer avec Jobili. Combien sur 10, Jobili, cette base-là? 7 sur 10. 7 sur 10. Parfait, Jobili. Ensuite, mon ami Malfox, combien sur 10? Bah, 10 sur 10, ça met ma tête partout. Goreg? Moi, je mets un 9 parce qu'il est pas terminé. Et ouais, pareil. J'ai le 9 parce que c'est pas terminé. Et moi, je vais mettre 7. Pourquoi? C'est parce que il y a beaucoup d'étages qui sont pas terminés. Puis si on remonte aux étages ici, non, en fait, l'étage là est magnifique, genre c'est bien fait et tout. Mais le souci avec cet étage là, c'est que c'est trop répétitif, genre c'est trop grand pour rien. Genre ici, il aurait pu aménager quelque chose de plus stylé ici sur le côté. Puis c'est un cube d'obsidienne, faut pas oublier ça. Hein. Ils doivent avoir des défenses en cube. Wow, what? Les gars, je pense qu'on avait pas vu ça, hein, mais check au-dessus. Attends. Moi, malfois que ça a trouvé une place, les gars, là, genre. Il y a je sais pas combien de trucs. C'est quoi cette maison-là? Maison de Puppy Games. What the fuck? Malicorne, Puppy GTM. Wow! Envoie, tweetez toute cette vidéo-là à Puppy Games, puis envoyez-lui cette séquence-là de la vidéo, man. Elle va voir que les abonnés fidèles sur le serveur. Puis en gros, c'est quoi ça? C'est des. C'est tout rempli de fer, genre. Wow. Il aurait pu faire un trieur au moins. Tu sais, ils ont genre fucking de spawner, mais ils font pas de trieur. C'est quand même assez fucké. Mais bon, on va aller voir. Oh, il y a quelqu'un qui s'est AFK au-dessus. Ouais, moi, je voulais voir leur protection. Ouais, ils ont fait des sand walls en fait, avec un water bridge. Oh, pas pire comme défense, ça. Ils ont fait pour des... Pour oh, en plus, ils sont sous terre, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ils sont sous terre, right? Non. Yes, un mineshaft. Ils ont moitié sous terre, en fait. Ça part de la hauteur jusqu'à la bedrock. Ils ont fait un esti de bon protection, en vrai. Holy fuck. Parce qu'ils ont... En fait, regarde, ouais, dans le milieu, ils ont fait un... What? Ils ont fait un... What the fuck? Ils ont tout rempli ce d'eau. Fait qu'en fond, ça fait un water bridge avec des sand walls. Mais ils ont juste un sandwall, ça. T'sais, c'est facile à faire takedown, mais pas vraiment parce qu'il y a de l'eau devant le sandwall. Sauf qu'il faut qu'ils fassent. Si vous voulez piller cette base-là, les gars, je vais vous dire exactement, faut que vous fassiez un sand stacker. Avec le sand stacker, ensuite, vous devez un rusher cannon ou un reverse. Puis après ça, vous devrez être correct. Mais encore là, il y a de l'eau en l'intérieur avec l'obsidienne. Je sais vraiment pas comment piller cette base-là, moi, les gars, en no fake. Enfin, je pense savoir vite fait, mais genre, faut faire des canons à la genre camping rusher, tabarnak. En tout cas, les amis,
J'espère que cet épisode-là vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de toucher le pouce bleu et le frotter correctement, les amis, comme si c'était un clitoris de jeune fille. Donc, sur ce, les amis, sur ce, genre de l'internet, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est Taïkons. Passez une excellente fin de journée.